Après le groupe E, place au groupe F, forcément. Un groupe F qui aura surtout lieu à San Pedro. On va l'aine ouest, pour le coup, près de 400 km entre Abidjan et San Pedro, le stade de Laurent Pocou, mais surtout la cinquième ville la plus peuplée du pays. Oui, on est effectivement sur la côte, effectivement, avec la fameuse route qui relie Abidjan à San Pedro et le stade donc Laurent Pocou qui accueillera les équipes du groupe F pour 5 rencontres de ce groupe. Ce stade qui va accueillir notamment le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Le Maroc et RDC, oui, sur le papier, on est un ton au-dessus par rapport à la Zambie et la Tanzanie, Nabil. Oui et non. Je veux dire, le Maroc, ok. Enfin, il y a le Maroc et les autres, si on veut être honnête. Allez-y, bien sûr. On est dernier demi-finaliste d'une Coupe du Monde. On arrive quand même avec un capital confiance et vous suscitez une crainte quand même XXL de la part de vos adversaires. La RDC, c'est, le potentiel est fantastique, mais enfin... la dernière équipe à avoir gagné une Coupe d'Afrique entre la RDC et la Zambie, c'est la Zambie, par exemple. Bien sûr. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette équipe zambienne, une équipe qui joue toujours très bien au foot. La Tanzanie, à l'image de ses clubs, est aussi une sélection qui progresse. Pour moi, il y a le Maroc et il y a les autres. Ouais, on évoquera la Tanzanie tout à l'heure à travers les clubs, justement, qui peut-être peuvent nourrir cette sélection tanzanienne. D'abord, donc, on l'a dit, le Maroc, le dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, l'équipe africaine qui est allée le plus loin dans l'histoire d'une Coupe du Monde avec la demi-finale au Qatar, 19e participation pour les Lions de l'Atlas avec une victoire, faut-il le rappeler, c'était en 1976 pour la sélection marocaine, oui ça commence à dater, et un quart de finale lors de la dernière compétition. Tiens, on va poser la question très simplement pour nos abonnés également, est-ce que le Maroc c'est la meilleure équipe africaine de cette CAN avant qu'elle démarre au final? Cédric, la patate chaude, elle est pour vous d'abord. Bon courage Cédric. Je vous poserai la question aussi David. Il y a quelques mois, j'aurais dit oui incontestablement. J'ai pas l'impression qu'elle arrive avec une dynamique extraordinaire. Ouais. Alors, elle fait figure de favori. Vu les joueurs qui composent cette sélection, il y a la Coupe du Monde quand même. Mais, dernière victoire il y a près de 50 ans, je suis pas sûr qu'une CAN en Afrique subsaharienne, soit le lieu propice pour regagner une autre. J'espère qu'ils me feront mentir, parce que moi, c'est une équipe que j'adore voir jouer, j'adore le coach. En plus, ils ont une superbe défense. Moi, j'aime les équipes qui ont des défenseurs et des défenses réalistes, mais je les vois pas forcément aller au bout. On écoutera Walid Regragui à ce sujet dans un instant. Alors, votre avis, Serge? Moi, pour moi, potentiellement, c'est l'Algérie. Je l'ai dit à Nabil il y a quelques semaines, il n'était pas d'accord. Mais pour moi, potentiellement, c'est l'Algérie. Après, le Maroc, malheureusement, il y a le potentiel et la réalité. En termes de performance, aujourd'hui, le Maroc est un petit peu devant l'Algérie, notamment grâce au capital confiance qu'ils ont eu lors de la dernière Coupe du Monde. Pour moi, ils sont favoris malgré eux. Et juste le Maroc, pour appuyer notre discussion, depuis la Coupe du Monde, les performances ne sont pas phénoménales, entre guillemets, quand on voit les chiffres, 8 rencontres jouées, seulement 4 victoires au final, Alain. Oui, en fait, le Maroc, en Coupe du Monde, le Maroc a bien joué, mais le Maroc n'était pas attendu en Coupe du Monde. Absolument. Et le Maroc jouait défensivement et il ne procédait pas de contre. Mais quand ils vont arriver en Coupe d'Afrique, c'est les favoris. Leur coach, il a annoncé pendant les quarts de finale qu'ils étaient là pour gagner la Coupe d'Afrique. Et là, toutes les équipes vont les attendre. Et ça a eu de faire le jeu. Et je pense que le Maroc n'est pas une équipe pour faire du jeu. Pour toutes ces raisons, le Maroc n'est peut-être pas la meilleure? C'est difficile. Non, mais c'est difficile de répondre à cette question, très honnêtement. En tant qu'Algérien ou en tant que... en tant qu'observateur du foot. En tant qu'observateur, non, mais pour moi, ce qu'a réalisé le Maroc au Qatar, c'est extraordinaire, c'est historique. Et presque le plus dur commence pour eux. Et Walid Regragui le sait. Et d'ailleurs, en privé, il ne se cache pas de se dire que finalement, la piqûre de rappel face à l'Afrique du Sud, ce n'était pas une si mauvaise nouvelle que ça. Parce que ça permet aussi de recadrer les choses et de dire que le Qatar, c'est une chose, le continent africain, c'est aussi une autre réalité. Maintenant, concrètement, sur le papier et en termes de confiance, évidemment, ça peut être la meilleure équipe africaine. Cédric parlait à juste titre quand même d'une solidarité défensive à toute épreuve, d'un gardien de classe mondiale, également d'éléments dans les autres lignes qui sont quand même des gros joueurs. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et la formule, elle est bonne, celle de Serge, elle est parfaite. Ils sont favoris malgré eux. Ils n'ont pas le choix. Après une demi-finale de Coupe du Monde, tu ne peux pas être favori. On verra. Mais là, Walid, j'ai écouté Walid, c'était au Ballon d'Or, il a dit que c'était une erreur de dire qu'ils étaient favoris.
Mais donc, ça veut dire il est en train de... Alors, est-ce que vous faisiez des passes décisives vous, quand vous étiez joueur? Là, vous receviez les ballons, on est d'accord. C'était les deux. Mais là, vous venez de faire une belle passe décisive, là, parce que justement, c'est écoutez, Walid Retaghi, exactement, qui s'était exprimé lors de ses CAF Awards, justement, avec le titre de meilleur sélectionneur, meilleur entraîneur. Walid Retaghi qui évoquait aussi le fait de jouer en Afrique subsaharienne pour la sélection marocaine. Dire que le Maroc, dans une CAN en Afrique subsaharienne, là où on n'a jamais excellé, nous les pays maghrébins, avec justement cette après-Coupe du Monde où tous les pays, et c'est vrai que ça n'a pas plu à beaucoup de monde, mais c'est la réalité, j'ai pas de langue de bois, rêve de nous taper. On l'a vu sur les derniers matchs, ça va être compliqué pour nous. Et puis il y a des équipes qui ont évolué entre la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique, la dernière Coupe du Monde. Il y a des équipes qui ont progressé. Nous, bien sûr, qu'on y va avec de l'ambition, et ça, les joueurs le savent. Mais voilà, dire qu'on est sûr de la gagner ou sûr d'être dans le dernier carré, honnêtement, quand je vois cette compétition, quand je vois les pays qui y participent, le talent qu'il y a, je pense que ça va être une des meilleures Coupes d'Afrique de l'histoire en termes de talent, en termes d'organisation. Donc voilà, maintenant, bien sûr qu'on va jouer crânement notre chance. On a cette ambition d'aller la chercher. Mais voilà, ça va être très compliqué aussi. Mais il faudra... C'est un bon challenge aussi pour moi et pour les joueurs. Après, justement, ce statut, de pouvoir montrer qu'on est capable, pourquoi pas, de créer l'exploit et de rentrer dans l'histoire. Forcément, Walid Regragui, pardon, veut rentrer dans l'histoire avec cette sélection marocaine, demi-finaliste du dernier mondial. Mais qui, sur les CAN est pas phénoménal sur les dernières CAN, sous-entendu. Non. Regardez les trois dernières Coupes d'Afrique des Nations de cette sélection. Quart, huitième, quart. Elle est aussi là, la pression au final. Quand vous êtes demi-finaliste d'une Coupe du Monde et que vous faites ce genre de CAN, vous êtes obligé d'aller très loin maintenant. Ouais, c'est une responsabilité. Ça les oblige un petit peu. Après, il y avait un manque de stabilité aussi. Hein. Il y a eu des départs de sélectionneurs, des joueurs qui n'étaient pas là. On a l'impression quand même que l'environnement autour de la sélection s'est apaisé. Il y a cette Coupe du Monde aussi. Il y a des joueurs qui reviennent comme Amin Harit. Ils sont obligés, quelque part, on l'a dit plusieurs fois, de réaliser une grosse prestation. Et puis sur la dernière CAN, bon, ils sont tombés contre l'Égypte. Le Maroc s'impose 3-1 dans le match de préparation pour la CAN, les amis. 3-1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le Maroc est prêt pour la CAN. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Maroc s'impose 3-1 contre la Sierra Leone dans le seul match préparatoire pour la CAN, les amis. Doublé de El Nesri et un but de Sofiane Boufal. Déjà, ce Maroc-là, les amis, c'est un Maroc qui prend de la confiance, parce que c'est toujours bien de gagner les matchs, même si c'est un match amical. Je rappelle, même si c'est un match amical, c'est toujours bien de gagner les matchs pour engranger de la confiance. Et le Maroc l'a très bien fait face à la Sierra Leone. Il gagne avec la manière, etc. Et de plus, les buteurs marquent, Nesri marque, Sofiane Boufal marque. Ça donne de la confiance, non seulement à l'équipe, mais aussi aux attaquants. Le Maroc a fait un match sérieux. On disait vraiment un match officiel. Ils ont fait un match sérieux. Ils n'ont pas voulu simplifier la Sierra Leone. Ils ont vraiment pris la Sierra Leone au sérieux. Un match très sérieux et c'est très bon pour la suite, pour bien commencer la CAN. Je rappelle que le Maroc est dans la poule de la RDC, de la Tanzanie et de la Zambie. Est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Est-ce que ce Maroc-là pourra aller loin dans cette CAN? Déjà, le Maroc est l'un des grands favoris pour remporter la CAN avec la Côte d'Ivoire, pays hôte. Pour moi, le Maroc va sortir de la poule. Mais généralement, les pays d'Afrique du Nord ont souvent du mal lorsqu'ils viennent jouer la CAN en Afrique subsaharienne. Ils ont souvent du mal, les pays du Nord, là, les pays du Maghreb, ils ont souvent du mal à venir en Afrique subsaharienne pour remporter la CAN. Est-ce que le Maroc va faire l'exception? Est-ce que le Maroc va briser cette malédiction? D'autant plus que ça fait très longtemps que le Maroc n'a plus jamais atteint les demi-finales. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a plus jamais atteint les demi-finales d'une CAN, les amis. Donc, ils ont une lourde pression, surtout que ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde. Seul pays et unique pays à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc, ils ont eu lourde pression de représenter leur statut. Est-ce que ils vont réussir à gérer cette pression-là? Je l'espère, parce que ce n'est pas facile. Lorsque tu es demi-finaliste de la Coupe du Monde, on s'attend en sorte que tu dois au moins arriver au dernier carré d'une CAN. Minimum, tout autre résultat, hormis du dernier carré de la CAN, serait un échec. Si le Maroc n'arrivait pas au dernier carré,
ça serait un échec. Ça serait vraiment un échec. Minimum dernier carré pour le Maroc. Ça fait longtemps que le Maroc n'a plus jamais joué les demi-finales d'une CAN. Donc, comment ils vont aborder le match, comment ils vont gérer la pression, ça, on le saura dans quelques jours. Mais le Maroc est un grand favori. C'est un des grands favoris. Top 2 avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et Sénégal. Ils sont 3. Côte d'Ivoire, Sénégal et Maroc. Pour moi, ce sont mes favoris. Après, les amis, une CAN, les amis, ce n'est pas comme si c'était le championnat. Ce n'est pas le championnat où systématiquement le meilleur gagne. Une CAN, tu dois être performant dans cette période-là. Si tu es moins bien, si tu es en méforme pendant cette période-là, tu vas te planter, tu vas complètement être à la ramasse. Une CAN, ça se gagne sur la forme, sur la mentalité, sur la grinta, sur la pression, savoir résister à la pression. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne savent pas résister à la pression. Donc, on espère bien que le Maroc va vraiment briser cette malédiction. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que le Maroc n'a plus jamais joué une demi-finale de CAN. Très longtemps. Donc, ils sont attendus au tournant. Ils sont attendus au carrefour, comme on dit souvent. Le coach du Maroc, juste après la Coupe du Monde, il a dit que le Maroc part pour remporter la CAN. Juste après, quelques mois plus tard, il a retiré ses propos. Il a dit que la CAN est difficile, que ça ne va pas se remporter cette CAN, qu'ils partent pour aller le plus loin possible. Il a retiré ses propos parce que lorsque tu dis on part pour remporter la CAN, tu mets une sérieuse pression sur ton équipe. Tu mets une sérieuse pression. Il a su enlever cette pression à son équipe pour que son équipe bosse tranquillement, sans pression. Mais je suis sûr qu'en interne, il dit hey, les gars, on part là-bas pour remporter la CAN. Je suis très sûr parce que c'est un coach qui est vraiment exigeant. C'est un coach vraiment qui aime gagner, qui n'aime pas perdre, etc. Donc, moi, je suis qu'en interne, il dit à ses joueurs qu'on part là-bas pour gagner. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Moi, je pense que le Maroc est vraiment outillé pour remporter cette CAN. Tu m'as tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.